Clac. Bonjour VOD. Je vous promets qu'on entend. Je suis désolée. Bonjour la VOD, on est sur la découverte d'Overthrown. Et... oh, ce match, il n'y a pas le titre. Je m'en rends compte, mais c'est une démo, c'est normal. Ici, derrière moi, il y a le menu, mais c'est pas grave. Et c'est un contenu sponsorisé, attention. J'espère que ça a bien mis à jour et qu'il y a bien écrit contenu sponsorisé sur mon écran quand vous passez la souris, normalement. Sinon, il faut que je mette un petit encadré. Mais j'ai cru comprendre que ça avait un peu changé. Que tant que c'est indiqué de plusieurs manières, ça va. C'est sérieux maintenant, exactement. Découverte d'un cozy game qui a l'air d'être assez dynamique dans son gameplay. Ce genre de jeu, de toute façon, auquel je joue assez volontiers. Donc là, on va juste tester la démo. Elle est dispo pendant le... bah, pour le... en tout cas, elle est... enfin, je sais qu'elle est dispo pour le moment. Et grâce au Next Fest de Steam, vous avez plein de démos de jeux comme ça à tester. Et vous avez le lien, !jeu, pour en savoir plus. Normalement aussi, le lien est épinglé. Normalement, mais je le vois pas parce que je fais pas mon travail. Voilà, je l'ai vu. Si vous avez la curiosité... et on peut cliquer sur le lien, oui, c'est gentil. Ayez la curiosité d'aller voir, et puis si vous êtes intéressé, bah, petit wishlist quoi. Moi de toute façon il m'intéresse, donc ça c'est sûr que le jeu, je vais regarder le développement et tout ça, je vais pas m'arrêter à la démo, je vais au moins regarder comment le jeu évolue, et si je peux le faire à la sortie, bah ce sera sûrement fait aussi, au moins tester, parce que c'est le genre de jeu qui est trop ma cam. On va tester ça tout de suite, nouveau monde, on a été prévenu, on va faire un petit monde, ah oui. C'est vrai, chose à préciser, c'est un jeu qui peut être joué en multi. Voilà. Donc c'est vrai que là, vu que c'est une OP, je me suis dit, bah, je vais faire ça solo. Mais en vrai, c'est complètement le genre de jeu où je pourrais jouer avec les potos. Parce que bah, c'est une petite coop à 4, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je vais appeler Luxworld. Et déjà, avec la démo, on peut jouer en multi. Donc ça, c'est trop bien. Les amis peuvent rejoindre. Franchement, je vais faire ça. En vrai, je vais mettre les amis peuvent rejoindre. Et si vous avez la curiosité de venir dans mon monde, ceux qui sont dans ma liste d'amis, bah n'hésitez pas. Je vais faire ça. Ah ouais, tiens, c'est bien. Il s'appelle Luxworld, mon truc. Contrefort ou falaise bord de mer. Falaise bord de mer, tellement. Une carte ouverte plus grande. Occasionnellement des collines, des falaises. Contrefort. Carte montagneuse plus petite. Oh, vas-y, je prends la... franchement, j'ai envie de prendre la falaise au bord de mer. Les amis peuvent rejoindre. Est-ce que je mets un mot de passe? Je suis pas obligée de mettre un mot de passe. Bah sinon, je mets 1, 2, 3, 4. Voilà. Oh non. Vas-y, s'il me demande pas de mot de passe, je mets pas de mot de passe. Non, c'est bon, j'ai pas eu besoin. Go jouer. Bah, en tout cas, si. Non, mais même toi, Hanté, ou voilà. Si vous avez envie de tester tout ça et que vous voulez rejoindre le monde, vous pouvez. La colorisation. Merci, Agna, c'est adorable. Oui, j'ai les cheveux bleus et c'est récent. Je suis faite belle pour la sponsor. Hein. Ça a l'air bien sympa. C'est cool que dans la démo, le multi soit déjà jouable. C'est pas forcément le cas. Ce qui peut se comprendre, enfin, c'est qu'une démo entre guillemets, mais ça veut dire qu'ils ont déjà des serveurs à dispo pour la démo. Je trouve que c'est pas rien. Bonne idée, Tip and Top. Tout ça pour un sponsor, tu donnes tout. Non, en vrai, c'était prévu avant. Mais ça tombe. Non, mais je voulais faire une coloration en mois d'octobre. Ça, c'était prévu parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez coiffeur. Ouais, je raconte ma vie. Exclamation jeu hein, pendant ce temps pour vous renseigner sur le jeu en question. Alors, je vais peut-être mettre ma cam ailleurs, genre un petit peu plus petite et un petit peu plus là. Là, je pense que c'est mieux. Ouais, là, c'est bien. J'ai pas envie de mettre le fond vert parce que j'ai pas envie. Mais s'il faut, je le mettrai. Si c'est mieux, en vrai, je le mettrai. Oh, wow! Attendez, j'ai fait un truc que j'ai pas voulu faire. Je vais mettre un peu plus fort pour le moment. Ah si, il y a de la musique, juste c'est pas assez fort. Attendez, je vais mettre un peu plus fort. Elle est comment la musique pour vous? Ça va. Je vais regarder quand même le paramètre de son. De base, on a le volume à 50. Un jeu intelligent. Ok, en fait. Ok, non, en fait. Ok. Ça va, en fait. C'est assez fort. En fait, ça va. Alors... ah, le dash, il est sur contrôle. Peut-être changer, ça. Et du coup, j'ai quoi? J'ai un truc pour... c'est pas un dash, ça. Ah oh, si, c'est un dash de ouf.
Ah ouais, non, c'est plus logique de l'avoir... Ah oui, d'accord. C'est trop mignon. Voilà le gameplay. Un jeu avec un volume pas à fond. C'est assez rare, hein. Gros cœur, voilà, je suis d'accord, je vais le dire aussi. Merci aux devs qui mettent pas le son à fond quand on lance le jeu. Merci. Vraiment, c'est si rare, je le remarque quand c'est pas le cas. Parce que c'est rare. Le nombre de jeux, toujours en 2024, qui nous explosent les oreilles. Ascenseur, ok. Traduction est marrante, la traduction est marrante. Zelda qui court comme Sonic. La musique a un petit côté. Oh mais il y a Gaël qui est là, regardez. Oh le bro. Je regarde un petit peu le jeu et tout, et puis on pourra vocal si tu veux. Incroyable. C'est qu'une démo, hein, donc si vous voulez join, y a pas de souci. Le sprint, il est très rigolo. Ouais, c'est super énergique. Attends, du coup, on va regarder comment ça marche. Ah ouais, je me suis mise en QWERTY, hein, je me suis pas pris la tête. Ah, d'accord. Ok, tu peux le placer comme ça, d'accord. Vas-y, go. Ça va être rigolo. Oh, il y a un truc qui brille là-bas, j'y vais. Ça marche, Kyle, ouais. Pour le moment. Ah. Mais déjà, pour la sponsor, il m'avait dit que je pouvais jouer avec des potes. Donc merci à eux. Oh, je suis la queen. Oh, il y a des épées et tout. J'avais pas vu. Oh, je suis déjà la queen. Le personnage est trop mignon. En fait, j'aime bien le style. Ça va. J'aime bien quand ils sont pas trop dans un délire de personnages à grosse tête, un petit peu à l'Animal Crossing. Ça se fait pas mal en ce moment. Et moi, j'avoue que je préfère des proportions un peu cartoon. Mais j'aime bien genre les proportions avec des grosses mains, les gros pieds, des trucs comme ça, plus que les grosses têtes. Ce qui est un peu le cas là. Un peu à la BD. Ah oui, mais non, je me suis pas mise en QWERTY, je me suis mise en AZERTY, t'as raison. L'AZERTY, il a été détecté direct, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, non, je me suis pas mise en QWERTY, je me suis pas mise en QWERTY, en fait. Juste qu'il a détecté de base que j'étais en AZERTY, mais les touches qui sont indiquées sont peut-être les touches QWERTY, par contre. Pas bien surprenant, là, pour le coup. Ok. Alors, conseil, de nouveaux citoyens sont régulièrement recrutés pour occuper les chantiers vacants. Ah, mais il y a des trucs de construction. Entrer en mode construction, ah d'accord. Ah oui, et en bas, ok, on a tab. Ok, petit trou des outils classiques. J'ai... C'est toutes mes... Pardon. C'est toutes les ressources que j'ai. Savon, va falloir se laver, les gars. On est des gamers, hein. On va juste éviter cette partie-là. J'espère que vous voyez à peu près. Sinon, je me décale. Ou je me mets en fond vert. Petit fond vert, hein, en vrai. Hein. C'est quand même mieux le fond vert. Moi, je m'y habitue. Hein. J'adore mon décor. Mais en just chatting, je l'ai. J'ai peur que mes cheveux ils passent pas dans le fond vert. Je vais peut-être être transparente. On va voir. On va voir. Hein. On va voir ça. On va voir ça. Pas volontaire, ça. Ah oui, voilà. Hop. Et je vire ma cam ici. Pardon, hein, désolé. J'étais pas sûre, mais en fait, je vais virer. Non, ça va, mes cheveux sont... Ça va. Mais c'est vrai que là, c'est mieux. On voit mieux le jeu, quand même. Quand même. J'ai un fond vert uber propre. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on peut être rémunéré pour des trucs qu'on fait. On a des impôts. On a des impôts et des salaires. Et il y a des points de compétence. Charpentière. Faut que j'ai des points de recherche. Et personnage. Tenue. Oh, on peut choisir la tenue. Oh, tu peux choisir la tenue. T'as sûrement vu, toi, déjà. Oh, so dark. Et comme ça, les mimi. Mimi. J'aime tout. J'aime bien. Le fait de pouvoir changer de style comme ça, facilement, c'est cool. Qu'est-ce que je fais? Petit vert là? Allez, petit vert. Je vais peut-être changer régulièrement. Parce que je suis un peu... Ah, c'est stylé, dark comme ça.
petit vert pour le moment, et après on changera. Oh non, j'aime bien ça. Vas-y, petit orange pour le moment. Vas-y, vas-y, assez bien là. Ça me plaît bien. Oh, j'ai une masse aussi. Ok, cool. Nickel les cheveux. Très sympa pour l'instant. Du coup, salut Kyon. Ouais, je trouve aussi ça cool. Avoir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. J'imagine qu'il faut... Est-ce qu'on a une map? On a une map. Allez, comme ça la map. Ok. C'est qu'une démo, donc c'est logique qu'il n'y ait pas vraiment de tuto et tout à proprement parler. C'est un jeu totalement en développement, il n'est pas encore sorti du tout. Il va sortir en accès anticipé, donc de toute façon il sera pas terminé. La map en relief, ouais, sympa, ouais. C'est bon les oranges, je suis plus Clémentine moi personnellement. Je vais visiter un peu. Vas-y Gail, fais du farm. Comme d'hab, fais les trucs utiles. Moi je vais visiter moi. Attendez, oh le double saut. Attendez. Ah, si je reste appuyé sur saut, ça fait un saut de fou, regardez. Oh, c'est super satisfaisant par contre. Je me demande s'il y a une prise en charge manette. Mais je vais rester au clavier souris. Il y a peut-être pas encore. Mais ça, la manette... Oh, il y a des mobs. Ok. Non, non, non. Je vais prendre ça. Voilà, ça c'est de l'esquive, c'est contrôle. Oh, ils m'ont tapé. Ok, on peut aller dans l'eau. Et on peut... Oh, il me défonce. Je me fais taper. Il faut que je le tue. Voilà. Oh la vache, ma barre de vie là-haut. Mais par contre, j'ai de la viande. Ah, on va pouvoir faire de la bouffe. J'aime beaucoup la pâte. Merci beaucoup, Queen Chouchou. Merci beaucoup. Pour le raid, c'est adorable. Oh, le jeu de fou, regardez le dynamisme du truc. Ah, j'aime trop. Puis, les fans de Sonic là qui ont un jeu cosy, mais c'est trop bien. Merci beaucoup et bienvenue à toi. Tu faisais quoi? Valheim, évidemment, quelle question. Toujours sur... Mais punaise. Il continue à avoir des mages sur Valheim. Queen Chouchou, c'est une rêve dans Valheim. Hein. Puis je la connais, elle est à fond. Elle est mon coop, oui. Salut du coup, j'ai pas dit bonjour aux gens, excusez-moi. Salut Sourine, salut Arthos Beat. Beats, pardon, pas Beat. Peut-être pas, voilà, bref, pardon. Salut Velma, salut Guépard. Le match d'ici une quinzaine de jours, ok. J'y ai joué pendant un temps. Bah, tu avais vu. Mais c'est vrai que je suis pas restée beaucoup dessus. Et j'ai pas suivi s'il y avait des mages. Là, on est sur un petit jeu bâtonné. Peut-être que des fans de Valheim pourraient être intéressés. On est sur une découverte de Overthrown. Merci beaucoup. N'hésitez pas à avoir la curiosité de cliquer sur le shootout. Et voir ce que fait Queen Chouchou. Plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas que du Valheim en plus. Moi, je t'ai beaucoup vu sur Valheim, forcément. C'était à l'époque où j'y jouais, l'époque où on s'est connus. Et là, voilà, on est sur un petit jeu tout mignon, avec un gameplay hyper dynamique, comme on peut le voir, de farm et de build, de fan de construction, tout ça, avec du PvE aussi en plus, et multi. C'est qu'une démo, il est dispo, vous pouvez point exclamation jeu si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, vous avez le lien, un lien qui est redirigé parce que je suis en sponsor actuellement. Un peu de voix de temps en temps. Et en fait, des interviews streamers. Mais j'essaie les interviews streamers. J'essaie déjà des trucs. Donc voilà, allez voir aussi ces interviews streamers. Bonsoir, Pustule. Parce que le concept est très cool. Et que je sais qu'il y a des streamers que vous aimez bien. Voilà, je sais un petit peu de sources sûres. Il est possible que je sois un peu au courant, ouais. Donc allez-y. Et merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid, c'est adorable. Du coup, nous, on est en totale découverte. Vu que c'est qu'une démo, on n'a pas beaucoup de tutos et tout ça. Bientôt ton tour. Avec grand plaisir. Voilà, je tiens à te dire. N'hésite pas. Et si tu veux me contacter... Ça va, Gail? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Le mec, il ramasse une île.
Oh là là. Et si tu veux me contacter, Queen Chouchou, je sais que par Discord, je suis beaucoup plus à fond. Et sinon, maintenant, j'essaie de faire beaucoup plus gaffe à mes messages Insta. Mais j'en ai raté. Mais j'essaie de faire beaucoup plus attention. Voilà. Et sinon, aussi, sur Twitch ou Twitter, pas hésiter. Voilà. Mais je dis parce qu'on me contacte parfois par Insta, si possible. Et que je vois très très tard après. Oh, mais attends, on se fait tirer dessus ? Adorable. Ah mais non, c'est qu'il y a une désynchro. Ah mais attends, mais ça c'est des... C'est un voyou. Oh, c'est un voyou. Oh, mais il y a des personnages humanoïdes. Je pensais pas. Merde. Mince. On va hésiter, on va éviter de voilà, d'être trop vulgaire. On est en après-m. Tu te fais... Oh, on a des sous. Ouais, j'y vais. Je viens t'aider. Oh, le gameplay est trop rigolo par contre, hein. Qu'est-ce que... C'est pas simple. Ah mais il m'a... Attends, j'ai été guérie. J'ai pas vu si j'avais une régène passive. Ou si c'était guide. Ou si c'était en faisant un truc. C'est quoi ça? Bannière. Oh, c'est la nuit. J'ai la bannière. Tiens. Un truc inutile. Ah, on peut pas se taper, nous. Je vais essayer. Je t'ai pas fait mal? Non. Non, on se fait pas mal. Je pense que ça, ce sera peut-être aussi réglable dans les paramètres. Merci beaucoup, Queen Chouchou. Merci vraiment, un très grand merci de m'avoir raid. C'est vraiment trop mignon. Merci, merci. Et j'essaierai aussi de passer si je te vois. Et un petit follow à la copine. Et voilà. Et bonne app pour ce soir. Mon follow est passé inaperçu. Oh, pardon, désolé Arthos. Effectivement. Tu vois, attends, je vais pas... Mais si, mais oui, à cause... Pardon, merci. Merci du follow, Arthos, désolé. J'ai vraiment... En plus, j'ai quand même... Voilà. Merci, merci, c'est quoi ma... J'ai quand même une alerte qui se remarque, quoi, donc j'ai pas beaucoup d'excuses. C'est quoi? Oh, il mérite. Ouais, je... Alors, attends. Entrez. Visitez. Donc il y a aussi, ok. Est-ce que du coup, faut que je fasse quelque chose? Sans emploi. Comment ça on est sans emploi? Ah, c'est moi la mère? Je suis la mairesse? Ah, pour le moment? Pour le moment, il n'y a peut-être pas encore cet aspect qui est pris en charge. Visiter 1 sur 5. Visiter 1 sur 5. Statue. Tu peux visiter toi, Gay? C'est moi qui viens de construire. Ah, c'est toi qui viens de construire. Ah, oh, pardon, j'avais pas vu, excuse-moi. T'as construit une mairie tranquille. J'ai plein de fruits et légumes. Il y a Andy, il y a Cesso et à Chine. Peut-être. Ah, on peut vous guérir. Oh, comment. Attends, je vais te guérir, Gay, t'as pas de vie. Non. Non mais... Attends. Ah mais je peux pas toi. Pourquoi je peux pas? Bah j'y arrive pas moi. Alors que eux je peux. Ah non. Ah peut-être que j'avais plus de... J'avais peut-être plus de mana ou un truc comme ça. Tu t'es guéri toi. On se guérit soi-même. On se guérit soi-même en fait. Bref, du coup, t'as réussi à construire une mairie. Lutte. Comment ça, lutte? Ah, mais du coup, nos petits humains, ils se font attaquer. Mince, je tape le mauvais. Donc on peut avoir un village, en fait, avec des PNJ. C'est pas que les joueurs. Intéressant, ça. Je fais un petit tour, là. Oh là là, par contre, ça, c'est hyper satisfaisant, c'est chou. Va falloir que... Oh, mon endurance, c'est deux barres tendues. On a deux barres tendues. Ah ouais, les murs, ils pardonnent zéro. Par contre, on peut escalader les murs. Voilà. Oh,
Mais c'est pas de l'escalade classique, c'est sauter sur les murs et re-sauter un petit peu à la Mario Plus. Ce que je trouve cool. Tu peux construire des bâtiments. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça, je voudrais voir si on peut se faire de la bouffe. Choper de la bouffe, choper, j'ai tué des sangliers, choper de la bouffe. Ah, c'est marrant un peu ce côté... Ce côté petit dénivelé un petit peu cubique à la Minecraft. Comment t'as glissé? Ah oui, c'est quand tu fais ça, quand tu vas sauter, oui. C'est vrai. Alors, on peut construire des bâtiments du coup. Mais je voulais être au bord de la plage, moi. Attendez, je retourne au bord de la plage. Ah oui, avec ton île, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que je peux le mettre dans l'eau? Attends. Coco. Ça n'a aucun sens. Dash pour courir. Ah, je peux courir avec. Ah oui, d'accord, on peut vraiment... Coucou, c'est qui? C'est silence. Coucou, silence. C'est une souche d'arbre. Mais t'as vu? T'es mal à la taille de l'arbre. J'ai même pas vu d'arbre aussi grand. D'où la souche, elle est aussi grande. Regarde les autres arbres. Vas-y, c'est mignon ici. J'aimerais bien... Je vais essayer de construire un truc. Est-ce qu'il y a des... Je me demande si, par exemple, là-bas, il y a des constructions ou des trucs comme ça. En tout cas, je pense qu'à terme, il y en aura des constructions. S'il n'y en a pas déjà. Encore une fois, ce n'est qu'une démo. Ok, construire. Ah, gouvernement, population. Ah oui, du coup, on peut faire une mairie. Je suis sûre que la mairie, il y a un délire avec des salaires et tout. Je suis sûre qu'il faut faire la mairie d'abord. Et après, peut-être que ça nous donne des trucs. Vas-y, je la construis, la mairie. Est-ce qu'on peut... Attends, j'aimerais bien la faire en hauteur. J'aimerais faire un petit peu une mairie... Vous savez, comme la mairie d'Animal Crossing, tu as fait un peu classe. C'est un très grand arbre que j'ai coupé. Ah, mais j'ai pas vu d'arbre aussi grand, moi. Attendez. Je peux juste faire ça, je crois. Voilà, rester appuyé. Ah, on peut rester appuyé sur espace, regardez, du coup. Voilà. J'étais presque. Faut pas rester appuyé, faut agir, en fait. Juste rester appuyé, ça ne marche pas. Oh, oh là là, c'est mignon, tu... Il y a direct déraciné l'arbre de Pandora. il a trop joué à Helldiver. Vas-y, je prends du bois. Voilà, il y a le petit dash sur contrôle qui est quand même pratique pour éviter d'avoir à faire un... à charger son saut. Ah, on joue à je t'envoie la souche. Attention, je t'envoie la souche. Est-ce que je peux... Chez. Je vais voir si on peut l'attraper. Je suis vraiment... J'ai cassé le jeu. J'ai... Partie poupeuse, la meuf. Direct. Direct, j'ai pété. Non, mais en fait, le truc, il était... Je voyais, il avait plus de vie. C'est pas ma faute. Elle a tout cassé. Mais non, mais il y avait la jauge... Non, c'est pas ma faute. La jauge de vie de l'objet, elle était limitée. Table de chevet pour géant. Bah n'empêche, j'aimais bien le design de la souche. Je voulais en faire un truc. Mais attends, mais il déracine tout, mais il ramasse rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'as juste à l'envoyer, ça se pète tout seul. Attends, et là, si je l'envoie? Non, 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 non. Merde. Je veux mon bois. Ok, ok, je récupère le bois, ça me saoule. Ça me saoulait de pas avoir de bois. Ah, je peux le prendre pendant que je nage? On peut nager avec ça dans les bras. Intéressant. Ah ouais, vraiment, le fait d'envoyer les objets, ça les fait se briser. Du coup, en fait, ça te gagne du temps de fou. Par contre, il y a plein de moyens d'escalader. Juste, voilà, il faut vraiment rappuyer plusieurs fois. Ah, on a un bel espace, là. Il s'y saoule. Non, ils m'ont envoyé trop loin. Non. Oh.
Ok, il y a un joli dash. Oh, il y a un dash dans l'eau de ouf. Ok, j'ai rien dit. Le dash dans l'eau est uber stylé. Attends, je t'envoie. Laisse-moi t'envoyer. Il y a un dash. Le dash dans l'eau, il est cool. Regardez-le. Regardez-moi ce dauphin. Mais c'est trop marrant, par contre. Les tricks que tu peux faire, je maîtrise pas encore trop le perso, mais tu peux faire des trucs de ouf. Salut, cœur de miel. Se lancer. Ah, c'est trop rigolo. Alors, attendez, je vais construire une mairie. On m'avait dit, je construis une mairie. Voilà. Il me faut 52 bois. Je les ai. J'en ai que 141. Non, c'est bon, là. Sectionné. Bon. Ah, voilà. Bon, je vais mettre là, tiens. Ancré un petit peu comme ça. Pas mal. Pas mal. On pourra mettre de la déco autour. Non, c'est bien. Du coup, alors, est-ce qu'on peut avoir une interaction avec la mairie ou peut-être pas encore? Je suis un peu curieuse. Je pense que c'est la mairie. Construire une scierie. Ah, mais je l'ai pas. Mais par contre, la mairie débloque peut-être des crafts. Attendez, je vais faire. Ça m'étonnerait pas que ce soit un truc qui débloque sinon. Si maintenant je fais mode construction. Et scierie, maintenant j'ai. Je l'avais pas, je crois. Hein. Elle est immense. Oh, la taille du truc. Je la mets un peu vers les arbres. Ah, ça construit tout de suite, quoi. Ok. Sieur. Easy. Alors, débloquer de nouveaux bâtiments grâce à la recherche. Comment on fait de la recherche ? Règlement des frontières de la recherche. Ah, mais attends, est-ce que j'apprends là? Maniabilité survie. 2 sur 15 connaissances. Des citoyens salariés génèrent des connaissances. Il nous faut des salariés! Jeter des arbres sur la scierie pour obtenir immédiatement plus de bois. D'accord. On a un employé du coup. Izzy. C'est un employé ça. Salut Izzy. Alors, non, faut que je le prenne. Et du coup, je vais l'envoyer dans le bon sens, parce que, bon, on pourra la retourner, la déplacer, la scierie s'il faut. D'accord. Du coup, c'est bon, j'ai le bois. Oh, oh, à droite, regardez, elle est malheureuse. Oh mince. Comment je fais pour la rendre heureuse? En haut à droite, mon employé est malheureux. Ah oui, la recherche. Non mais j'ai toujours pas de points, j'en ai que 6. Plus 5 par minute. Population. Ah, je peux choisir un... Bah non, mais on va faire un impôt très faible. Imposition très faible et salaire haut. Ouais, je suis bien. Je suis bien, moi je suis d'accord. Nous sommes de gauche. Ah, c'est marrant, tu peux choisir le salaire et l'imposition. Ils y travaillent à la scierie de façon, ouais. Je vais regarder. Attendez. C'est ça, et c'est ça. Rassemblement. On a que la scierie pour le moment. Je pense qu'il faut qu'on débloque des trucs. Et du coup, je vais peut-être casser du bois. Peut-être aider Izzy. J'aimerais bien la rendre plus contente. K, il y avait un truc sur K aussi. Ah oui, c'est juste mon équipement. Et nos ressources. En bois, briques on n'a pas, et composants. Ah, je peux dire le but. Attendez, je vais mettre en bois, je vais mettre une limite. Voilà, je vais mettre 200K comme limite. Sinon, ça va... Sinon, elle va s'arrêter tôt. Ah, d'accord. Tu peux choisir le nombre de ressources maximum et minimum tu dois générer. C'est intéressant. C'est marrant, elle est marrante, cette gestion. Laisse-la casser. Oui, je la casse. Oui, mais elle casse le bois, mais elle l'envoie pas dans la scierie. Ok, mignonne, Izzy. Mais tu as une scierie pour ça. Prends des navets. Ah, on est en été, il y a aussi des saisons. Si je fais T. Ah, je peux afficher tous mes trucs. Ok. Mince, comment on désaffiche? Ah, zut. Bon, bah, tout à droite, il y a toutes mes ressources, mais je sais pas comment les désafficher. Recherche disponible. Ah. J. Règlement frontalier. Débloquer les bases nécessaires pour maintenir vos citoyens en vie sur le long terme. Ah, bah oui, ce serait bien. Ah, et du coup, ça me débloque les maisons, les apprentis. Punaise, c'est vraiment de la gestion aussi. C'est trop cool. Je pensais pas à ce point.
J'aime bien le principe de devoir gérer son village. Ah, c'est auto. Ah oui, c'est juste auto. Ça, c'est désaffiché automatiquement. Voilà, à chaque fois, je cherche la touche. Population. Et ben, on va faire population, on va faire la maison. Attends, apprenti. Non, maison. Une petite maison, déjà. Faire une petite maison. Je peux la faire ici, la petite maison? Ah non, je peux pas, parce que sinon, je creuse dans le... Mais je suis sûre que je peux terraformer. Mais on verra plus tard. Je peux la tourner? Oui, évidemment. Mince. Est-ce que je peux... Non, je vais sortir de ça. Et si je change... Voilà, que je fais ça. Ah, je peux peut-être pas terraformer. Ok. Eh ben, je vais faire une petite maison à côté. Et toi, limite, Gaël... Un autre truc qu'il faut qu'on construise. Genre dans l'agriculture, ou un four, ou une connerie comme ça. Ah, il fait... C'est nuit, c'est chiant. Oh, n'importe quoi, quoi. Si ça te sied. Ah non, mais c'est pas la maison, ça, si. Maison de ville. La petite maison. Elle va gêner si je la mets là. Non, je vais la mettre à côté de la mairie, tant pis. Je voulais changer un petit peu, mais là, tout de suite... On va faire simple. Voilà, petite maison. Soupe populaire. La bouffe. Ça doit être un peu au centre, ça, la bouffe. J'aime bien voir comment est le bâtiment et par où faut rentrer. Que ce soit pas trop chiant. Mon village n'aura aucun sens. Mais c'est pas grave, c'est normal, Géco. Normal. Je me rassure. La soupe. La soupe, je vais la mettre là, à côté de l'arbre. Ok. Ah, j'ai 2 employés. Coco. Mais on n'a pas assez de légumes. Bah, il va falloir qu'on fasse de l'agriculture. Ça doit être à moitié auto le village, ouais. Faut juste faire les ressources. Et coucou, c'est qui? C'est Infernalou. Comment ça va? Tout pipou comme jeu, grave. Non, et puis je... En fait, le mélange... Le mélange paraît... Je sais pas, très cool. J'aimerais bien planter. Est-ce que je peux planter? Vas-y, mets la soupe où tu veux. Je vais planter les fleurs à côté de la mairie. Voilà. C'est décoré. Il va falloir faire de l'agriculture. Je vais regarder où on peut faire ça. Mais ouais, hésite pas à déplacer si vraiment des trucs qui te semblent chiants et tout, hein, Gaël. N'hésite surtout pas. Je vais y arriver. J'ai des points à mettre? Peut-être? Je vais voir. Besoin d'une réparation? Ah zut! C'est ça? Ah, c'est comme ça qu'on répare. C'est juste en tapant avec le marteau. Ok, nickel. J'espérais que ce soit ça. Ça me fait mal qu'on puisse soulever les bâtiments. Dépendance insuffisante. Ah, c'est ça! C'est l'office! Mais autour, il n'y a pas des trucs à faire? Pas en vocal. Non, je suis pas encore en vocal. Je fais ma petite découverte tranquille. Là. Mais salut Frenchley. J'entends de façon. Ouais. Mais. Non, mais surtout si. Comme je dis, mon serveur il est open. Si vous voulez rejoindre, vous pouvez, hein. Enfin, quand vous êtes dans ma liste d'amis, vous pouvez rejoindre, en tout cas. C'est une démo. Donc c'est aussi pour laisser la porte à d'autres gens qui voudraient rejoindre. C'est le jeu. N'hésitez pas à utiliser mon lien !jeu pour avoir accès au jeu. Et ça marche, Infernalou. Et du coup, grâce au lien... Enfin, vous pouvez télécharger la démo, parce que c'est qu'une démo pour le moment. Le jeu n'est pas encore ouvert. Ne sorti. Et vous pouvez direct rejoindre nos serveurs, il s'appelle Lox World. Et j'ai mis liste d'amis juste. Voilà, pour pas avoir des vraiment total random. C'est-à-dire même des gens qui me connaissent pas et qui rejoignent mon monde. Voilà. Attends.
Du coup. Qu'est-ce qu'on a? Si on va dans l'agriculture... Ah oui, il n'y a que l'office. Qui s'occupe des parcelles agricoles à proximité. Oui, mais on n'a pas de parcelles agricoles. Infrastructure. Et là, il faut de la terre. Ok, je vais faire des parcelles. Je fais des parcelles autour. Alors, est-ce qu'il faut y accéder facilement? Vas-y, j'en fais une là. On va tester hein, pour le moment, de toute façon. Tout est déplaçable, donc ça, c'est trop bien. J'avoue que je suis très frustrée des jeux. C'est mise pour ma préf de BX. Pardon, trop absent ces derniers temps. C'est mignon comme message. Merci, messieurs, pour le 7e mois. Et cette alerte. Sachez que c'est mon alerte de sub de tout le temps. C'est pas... Voilà. Peut-être aussi pour une sponsor, cette alerte, elle est pas ouf. Vraiment, faut que je change. Merci beaucoup, messieurs, pour le 7e mois, cette bise pour ma préf de BX. Et t'inquiète, ne t'excuse pas. Enfin, c'est trop gentil de passer et de sub et tout. Non, merci. Vous excusez surtout pas. La mairie Pimpin ? Pourquoi mairie Pimpin ? J'ai pas la rêve des eaux. Est-ce qu'on peut planter des trucs dedans ? Je vais regarder. PNJ qui arrive. Ah, il va planter un truc dedans alors. Je pense. Quand tu rentres, ça fait... Ouais, d'accord. Fermier... Ah bah oui, c'est Tari. Recherche disponible. Ok, je fais la recherche. Agriculture, voilà. Sac de graines composteur. Voilà, c'est bon, on va avoir accès à tout ça. Sac de graines. Ça se passe vraiment comme ça? Je sais pas. Hein. Là, vu que c'est qu'une démo, je pense qu'on a tout accès facilement pour qu'on teste. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça au final. Semer les agricultures sur les parcelles des terres agricoles, le jardin et de verger. Ok. Eh ben, je l'ai fait. Oh. Attends. À terrain de jardin. Composteur. Petit composteur. Oh, le composteur. Petit composteur. La taille du truc. T'es mal à la taille du composteur. Ok. Ok, ok. Bah, on va peut-être le mettre ici. De toute façon, encore une fois, tout est... Ah, j'ai pas les ressources. J'ai pas les ressources. Ah, il est bloqué. Non, en fait, j'ai les ressources, mais juste il est bloqué. Ah, je sais pas comment... Ah bah non, mais pour le sélectionner, juste à faire ça. Retirer. Ok. Office. Non, pas besoin. Composter. C'est quoi qui bloque? À chaque fois, il y a un truc qui bloque devant, j'ai l'impression. Ah, pardon. Excuse-moi, tu m'as parlé. Je suis mort, on repop à la mairie. PNJ arrive. Ennemi. Pardon. Eh ben, ok, la mairie c'est le... Bah ouais, c'est le centre du village, pas du visage. Mais défends-toi, défends-toi. Moi je bosse, hein. Le boulot, boulot, là. Bon terrain de jardin. Oh, c'est mignon, ça. Ah, mais faut que je construise ça. Ah, d'accord, ok. En fait, tu mets d'abord ça. Ok, je comprends. Tu mets d'abord ça et après, tu sèmes. Je pense que c'est... En fait, t'indiques déjà ce que tu vas semer. Après, tu prends ton outil. Et là, tu sèmes. Ah, complètement... Oh, je suis trop intelligente. J'ai peut-être plus de graines. Ah oui, j'en ai plus. Ah oui, non, en fait, c'était pas illimité. Oh, j'ai dépensé plein de graines tout à l'heure. Moi, j'ai planté deux trucs. Je vais t'aider, je vais t'aider. Pardon. Oh, ils sont tout pétés, Gail. Attends. Lox, c'est la meilleure. Ah bah ça, on le savait. Hein. Je récolte les sous. Ah, il y a un braconnier. Comment je suis nulle. Merci pour le cercle. Ah, oh, j'ai rien fait d'utile. Oh, c'est chaud, comme j'ai été totalement useless. Alors que j'ai essayé d'aider, hein. Oh là là, c'était pathétique. Peut-être que si vous rejoignez, vous pouvez nous voir sur la map. Je sais pas. Ah ouais, je pense qu'on voit là. Nous, on a pop là-haut. Mais peut-être qu'on pop à la mairie, du coup. En tout cas, j'ai pris une map très grande. Hein. Si vous voulez même construire un truc à côté et tout, pas de soucis. Hein. Je suis mort 3 fois. Désolée. Merci d'avoir reconstruit. Alors, on n'a plus de graines. Mais j'en ai planté. Mais on en a plus.
Je voulais construire aussi le composteur, mais je pouvais pas et je sais pas pourquoi. Composteur. Ah, mais ça génère de l'engrais. Mais je peux pas. Parce qu'on a pas de briques. Est-ce que c'est ça? Je vais aller chercher des graines. J'arrive. Oh, il y a un camp là-bas. Vas-y, je vais démonter le camp. Peut-être mourir. Possible. Bah, je serais morte en faisant ce que j'aime. En démontant un camp. Ça va, c'est pas... L'odeur de la phrase, hein, quand même. Hein. L'odeur de la phrase. Tac. Non! Ceux qui t'ont tué, bah justement. J'ai tout pété. Parce que je pense que si on laisse le camp, ils peuvent repop, non? Puis ça nous fait des ressources. Ouais, ça nous fait plein de ressources. Oh, de la bouffe. Vas-y, ça, je vais le laisser, par contre. Le petit truc de bouffe, là. Bras zéro. J'aurais dû le prendre, en fait. Je devrais prendre les objets, peut-être. Là, c'est quoi, ça? Guérir. Baril de nourriture. Mais je peux les amener à la maison, ça? Genre... Bon, j'ai récupéré la nourriture. Je veux ramener les objets. Attends. Non! Oh non! Vas-y, père! C'est des décors, des vrais objets. Quand tu les casses, ça te donne vraiment des trucs. Quand tu les poses, je ne sais pas. Mais quand tu les casses, ça donne bien des ressources, ouais. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de les péter, ouais. Mais là, comme ça, à côté, c'est stylé. Placé. Hop là. Mais c'est une bombe, en fait. Peut-être pas, en fait. Peut-être le mettre là. Attendez, je vais tester un truc. Je sais pas ce que ça va donner. Ah, ça me donne de la poutre. C'est bon, ça m'a pas tué. J'avoue que j'y croyais moins en fait que ça me tue pas. Oh, comment on peut surfer? C'est trop marrant de le voir passer tel un Gaulois qui a pris sa potion magique là et qui court partout. C'est trop rigolo. J'ai pas eu le temps de sauter. Ok, j'ai compris, il faut juste dasher ici. Je pensais que t'allais vraiment chercher des graines dans la cuisine, mais pourquoi pas? Non, mais je devais trouver un peu des plantes. Est-ce que là ça a marché? Attendez, je peux faire une réparation. Donc je vais faire, je sais pas de quoi. Ah, le composteur, tu l'as mis. Merci. Ah, c'est peut-être ça? Ah oui, ça. Voilà, c'est réparé. Logement insuffisant. Ah, je vais faire ça. Déjà, ils sont un peu contents dans mon village. On va faire un petit logement quand même. J'avais baissé la musique, je vais la remettre plus fort. C'est pas le bon menu. Ah oui, il y avait d'autres infrastructures en plus qu'on devait faire. Ah, je suis trop fan. C'est trop rigolo, ça. La dégaine des persos est trop marrante. Faut peut-être pas que je les mette trop loin de leur lieu de taf, en vrai. Je vais peut-être mettre à côté de la bouffe, par exemple, tiens. Petit logement à côté. Mais comme ça. Voilà. Comme ça, là, il y a la porte. Et comme ça, ils ont vue sur la mer. Et peut-être en mettre encore un autre. Non ça... Oh, j'ai fait une ruelle sombre. Attends, c'est un peu cool en vrai. Tu peux faire des petites ruelles comme ça. Hey, j'aime bien ça. Cliquez. Merci, oui, pour l'exclamation jeu. Si vous cliquez, on saura que vous avez eu la curiosité d'aller voir. On se dira, hey, elle a vachement bien influencé l'influenceuse.
Je veux faire des ruelles sombres. J'aime trop le principe. Oh, j'ai de la recherche. Attendez, je fais. Je veux faire un verger, mais je peux aussi descendre. Et oui, on va faire verger et boucherie. Ah non. Bah, on va faire boucherie après alors. Quoique, travail du métaux et tout, ce serait peut-être bien d'attendre. Je pense que ça nous ouvrira des crafts. Domestication. Oh, c'est cool quand même pour avoir des animaux. Exactement. Ah par contre je sais pas, j'arrive pas. Ah bah si. Attends. Comment je déplace? Ah c'est F. Et je peux mettre la grille et voilà, et après bien replacer. Ah ok, pourquoi pas. Et ça aussi je vais déplacer du coup. Enfin, petite ruelle. Alors faut que je fasse gaffe à la porte. C'est là la porte. Ah c'est pas du tout au bon endroit. Je fais n'importe quoi. La musique elle me dit rien qui vaille. Je pense qu'on se fait attaquer. Je vais changer, promis. Oh mince. J'arrive. T'es où? Outlaws. Ils sont où? La pression. Je vais voir si je la vois sur la map. Oh, elle est vraiment en direct la map. Je fais n'importe quoi. On peut construire depuis la map, je crois. On peut construire depuis la map. La porte, c'est le carré plus foncé, c'est pas le carré rouge alors. Je pensais que c'est le carré rouge. Mais ils sont où les Outlaws? Ils arrivent de loin en fait, c'est ça? On va subir un raid de très loin? Ou alors ils sont bloqués quelque part? Ah, je vois un truc là-bas? Non. Punaise! Ils m'ont tendu pour rien! C'est le rouge? Ah ok. C'est sûr? Oh mais du coup je l'ai décalé, il est un peu décalé, il est un peu mis à l'arrache parce que je l'ai bougé sans le vouloir. C'est rigolo. Alors attendez, je peux vraiment construire depuis ça? Parce que c'est trop bien. Genre imaginons là je veux reprendre. Zoom. Menu construire. Ah, j'arrive pas à le reprendre lui. Mais j'ai l'impression qu'on peut vraiment construire depuis là-dessus. Mais attends, il y a quelqu'un là-haut. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, c'est peut-être lui qui se fait attaquer. C'est peut-être le petit Kion. Oh, moins 12 en bonheur, comment ça se fait? Trop long le montage, bon courage Billy. Non, je pense que, je me demande si c'est pas Kion qui se fait attaquer. En frais. 9. Ah, t'en as tué un peut-être. J'ai regardé où t'es. Non, bah c'est ça, ça doit être Kun qui se fait attaquer, ou en tout cas la personne qui est là. Merde, j'ai foncé dans un mur. Attends, t'es où? Parce qu'en vrai, on peut arriver vite, hein. Ah! Y'en a un qui arrive là. Ils sont là, les salauds. J'ai tué un chêne. Super. Je suis totalement inutile moi quand il s'agit de combattre. Hein. Je donne. Oh, on s'est tiré dessus là-haut. Nickel. Je me doutais que ça allait mal. Voilà. Non, ça m'a rien fait, ça va. Oh, il fuit! Bien joué, champion!
trop marrant. Et je dois aller chercher ma belle-mère. Bon courage, petite féline, j'espère que ça se passera bien. Mais on, je pense qu'on y rejouera au jeu. Je vais peut-être attendre un petit peu, mais je pense qu'on y rejouera. Donc, vous inquiétez pas. Oh, tu m'as poussé, je crois. Trop bien, ça m'a arrangé. Kyon est in-game, tout à fait. Comme je dis, hein, vous pouvez join. Limite, s'il faut, je peux mettre un monde ouvert. J'aurais peut-être dû faire ça avec un mot de passe, et comme ça, vous aurez pu join facilement, puisque là, c'est selon ma liste d'amis. J'avoue que je l'ai fait vite fait sur le moment, ne connaissant pas les limites et tout. Mais vous pouvez me demander un ami. Et ouais, point d'exclamation jeu, si vous êtes curieux du jeu. Oulala, là là, j'ai un petit... Ah, c'est normal, c'est parce qu'il commence à faire jour, je pense. Et du coup, ça galère un peu. C'est bon, ça se refluidise. Bon, exclamation jeu pouce si vous êtes curieux du jeu. N'hésitez pas à vous renseigner. Via le lien. Oh, d'accord, chaque matin. Ah ouais, ça fait un peu laguer le serve, le fait que... Il y ait plein de trucs qui se mettent à jour au matin, je pense. Ah, parce qu'on est en automne. On est en automne. Est-ce que je peux... Ça, faut peut-être que je les laisse. Ah ouais, et là, c'est bon. Là, c'est fluide. Oh, elle a un truc. Ah non, c'est... Elle va aux toilettes. Ça nous indique qu'elle va aux toilettes. Bon, attendez, je vais continuer. J'avais des trucs à construire. Oh, une boutique de tartes. Est-ce que la boutique de tartes... Je la mets à côté. Ouais, merci de faire des maisons. Je vais la mettre à côté de l'auberge, tiens. Et j'aime bien que ce soit pas régulier. Ça me plaît avec un petit, une petite... Oh ouais, c'est trop mignon. Attendez, je vais peut-être la remettre autrement. Je vais la remettre autrement, attendez. Je vais arriver. Je vais la remettre autrement. Je mets la boutique de tarte. C'est moi qui m'en charge. J'aime bien ça. Ça me plaît bien ça comme truc. Oh, c'est trop stylé. Salut Anna, c'est notre employée des tartes. Ok. Il y avait du coup un autre truc. Verger, maintenant on peut faire ça. Mais faut peut-être faire ça ailleurs, genre. Je vais mettre ça près des... Voilà, ici, je sais pas. Un verger, faut que ce soit facile d'accès. Bon, de toute façon, c'est pour tester. Finalement, c'est pour tester. Je peux mettre ça là, en fait. Je me dis. Ouais, je vais faire ça. Mettre ça ici. Je sais pas l'écart qu'il faut hein, pour les arbres. Oh bon. On voit. Et je pense qu'il faut planter les graines encore. Je pense, hein, c'est... On découvre. Mais ouais, ça va. Boucherie débloquée. Nice. Ça va pour une petite démo. Oui, il y a de quoi faire déjà. Et puis vraiment, le multi déjà accessible est déjà très facile à... Très facile d'accès. C'est super agréable. Faut peut-être pas... Il y a peut-être pas besoin d'arroser et tout. Chantier prévu. Ah, il y a un chantier prévu. Ok, j'ai planté des arbres. Je vais regarder ce... Oh, j'ai une nouvelle arme. Attendez, j'ai vu. J'ai un espadon. Oh, on a une nouvelle arme. Une immense arme. C'est parce qu'on a level up quelque part. Ou parce qu'on a... Ouais, je sais pas. En tout cas, les gens, ils sont contents. Enfin, à peu près. Et eh ben en recherche, je verrai peut-être pour de la construction. L'excavation, ça peut être pratique. En fait, ça se fait tout seul. Ok. T'as du loot sur les ennemis? Ouais, mais pour le moment, c'est des ressources. Ou des thunes. Ah, mais d'ailleurs, il nous faut sûrement... Attendez, préparez-vous pour le prochain raid. 2 jours et 13 heures.
Faites des réserves de nourriture pour l'hiver. Excavation, recherche pour creuser, défense et tout ça. Ok. Faites des recherches sur le travail des métaux. Je pense qu'il y a encore des trucs à construire alors. Peut-être encore une maison. Chantier prévu, non, ça va. La boucherie est là, ok. Terrain de jardin. C'est moins important. Mais on peut déjà faire un entrepôt, un four à charbon. Ah mais on n'a pas assez de bois encore. On n'a plus assez de bois. Ah, on a peut-être consommé du bois comme des salles. Coucou Siki. Tu sais que ces herbes qui ont été mis n'importe comment là, moi qui m'embête à faire des trucs stylés là. Punaise mes gars, il fait n'importe quoi. Il plante à l'arrache, je vais péter un câble. Et coucou, c'est qui? C'est Willy. Salut Willy. Et pour celles et ceux qui arrivent, je suis actuellement sur Overthrown. Un petit jeu en démo. Je vais arriver en démo actuellement. Faut que je boive aussi, j'ai pas beaucoup bu moi, dis donc. J'étais dans la bonne catégorie? Oui, normalement. Hein. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Actuellement démo en multi, comme vous pouvez voir, je suis avec Guy et Kion. Je suis rejoignable. Hein. Bien sûr, Féline, on est en amis sur Steam. J'avais mis à la base pour les amis. Mais en vrai... En vrai, j'aurais dû mettre juste un code, mais bien sûr, vous pouvez venir. Tous celles et ceux qui ont envie. Mon truc s'appelle Lux World. Est-ce que je peux modifier les règles? CV, c'est quoi CV? Non. Gérer les joueurs. Les amis seulement. Voilà, je veux... Ah bah voilà, je peux décocher. Nombre maximum, je vais mettre 6. Et je vais mettre un mot de passe quand même, pour pas que des gens viennent au pif. Et ce sera... ce sera quoi? Ce sera... On s'est fait dégager. Oh mince, pardon. Non, bah non. Non, non. Ce sera juste Lox. Voilà. Pardon, bah vous allez pouvoir rejoindre. Tout ce que vous avez fait, normalement, c'est bon. Comme ça, ça me permet de tester aussi, c'est bien. C'est le Lox World et vous mettez juste Lox en mot de passe. Comme ça, vous pourrez rejoindre facilement, j'espère. J'espère que, bah comme ça, je verrai où vous popez aussi. Mais je pense que vous... On... C'est vrai que je me suis installée un peu loin. Mais d'accord, ça vous dégage. Ne sachant pas trop... Fallait tester aussi. Plus ta partie. Dans les parties générales. Coco. Coucou, c'est qui? C'est Galouane, coucou Galouane. On te voit plus. Ah, plus du tout? Ah zut. Attends. Sauver le monde. Voilà, déjà. Ah, mais c'est qu'en fait, les amis peuvent rejoindre. Y'a plus la game du tout. Ok, si je remets comme ça, comme c'était avant. Ah, attends, c'est pas la liste d'amis, alors. C'est les gens tout court. Ah bah vous voyez, si ça se trouve, si vous m'avez pas en liste d'amis, peut-être que vous voyez mon monde. Peut-être. C'est les deux en fait, c'est juste des gens peuvent me rejoindre. Oui, oui, bah Féline, parce que je me suis dit, bah je vais ouvrir parce que je sais plus qui j'ai en ami et tout. Mais là c'est bon, je pense que vous pouvez rejoindre, mais par contre j'aimerais bien que ça vous fasse pop au bon endroit. Là ça marche là. Je veux plus aucune partie. Ok. Et là, ça marche. Ah oui. Par contre, c'est vrai que j'ai fait mon village un peu loin, quoi. Un peu chiant. Mais ça marche. Ok. D'accord, j'avais pas compris. Ça va, petit Galouane? Ça va, en cours vite. Oui, regardez. Alors, pour ceux qui débarquent, hein, le gameplay du jeu... C'est... voilà. Pareil sur l'eau et tout, on est vraiment sur un jeu où c'est pas trop dur de bouger. Ah mais là il y a un arbre mojo immense là.
Et moi, j'ai la couronne. Parce que je pense que c'est mon serveur, du coup, c'est moi la mairesse. C'est moi la bourgmestre. Mais du coup, vous pouvez venir. Attendez, dépense insuffisante. Dépendance insuffisante. Qu'est-ce qui s'appelle la dépendance? Mais il nous faut du bois aussi. Je vais aider à la scierie parce qu'on a vraiment pas assez de bois là. Je peux rien construire. J'ai plus d'enduit. Voilà. Ah oui, peut-être que le jeu pour le moment, ouais, pour le moment il est pas... La traduction est peut-être pas la meilleure. Effectivement, oui, oui, bah de toute façon on le voit. Hein. C'est combien de bois? 91, c'est déjà mieux. Je vais voir si je peux construire un truc, puisque je voulais construire des trucs moi. Tout populaire c'est fait. Ça y a pas besoin. Je voulais voir des infrastructures. Ah non, là. Non, là, voilà. Fallait peut-être faire un entrepôt, je me dis, quelque part. Il n'y a pas d'entrepôt encore, non. Par contre, il est immense encore, le machin. Peut-être faire ça un peu loin. Je sais pas si c'est intelligent. Hein. Mais juste que, bah, vu que c'est grand, je le fais un peu loin, quoi. À côté de ça, genre. À côté de la... De tout ce qui est scierie, agriculture, tout ça. Peut-être mettre l'entrepôt. On teste. De toute façon, c'est déplaçable. Je sais pas dans quel sens faut que je le mette comme ça plutôt. Ah, je vais mettre à côté. Ah, je peux pas. Ah, mais c'est que la porte est là. Ah, je peux la mettre là, genre. Ah non, j'ai pas assez de bois. Chut. Eh ben, on va faire du bois. Viens là, viens là, viens là. Non, 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 non. F. F. Alors, il faut que je le mette là-haut, si je peux. C'est pas grave. Je vais mettre la scierie parce que normalement on récolte plus de bois en fait quand on se sert de la scierie. Mais c'est vrai quoi, on va manquer de bois de fou en fait. Je fais ce que je peux. Oui c'est ça, démo exactement. Il va être en early access. Ils le préviennent en plus sur dès qu'on lance le jeu, ils disent ça va être qu'une early parce qu'on a besoin. On a besoin d'étaler le développement et on a besoin du retour des joueurs. N'hésitez pas à nous dire, ils ont un Discord et tout. Donc voilà, c'est... Ça va, c'est très honnête. Un jeu pour moi, ça, franchement, pour le moment, il est vachement agréable. Hein. Il a encore tout. Et ça allume même Z4. La copine de l'arma. Pour le moment, c'est super agréable en tout cas, à prendre en main. D'où le fait que j'ai planté des arbres. Pardon, mais j'ai compris maintenant. Mais ça va pas assez vite quand même. Je récolte plein de trucs là. Ici, tout est détruit. Comment ça se fait? Point exclamation, jeu. Effectivement, pour en savoir plus. Oh, mais Izzy! Oh, elle va super loin pour péter du bois, la pauvre. Oh, désolé. Viens, rentre à la maison. La pauvre. Oui, alors c'est vrai que j'ai mis point exclamation jeu parce que je suis pas maline. Du coup, ça vous donne la catégorie du jeu. En plus de vous donner le lien du jeu. Parce que j'aurais dû mettre point exclamation game, point exclamation autre chose, mais voilà. Ça aurait été pareil, remarque. Comme j'aurais dû mettre autre chose, quoi. Il est bien cool. Il est intéressant. Vraiment. Oh, faut de la lumière, par contre, la nuit. Alors, oh, on débloque des trucs, regarde. Débloquer forge, débloquer poste de hall, débloquer lampadaire. Oh, je veux les lampadaires. Attends, je veux les lampadaires. Oh, militaire, poste de halbardier. On peut avoir des gens qui nous défendent. Décoration, on a de la déco. Oh, je veux un lampadaire. Je veux un lampadaire.
Je vais mettre ici déjà parce qu'il y a un petit renfoncement ici, alors je trouve ça mignon. Ah mais j'ai peut-être pas... Oh si, j'aime trop. Salut Féline. Ton skin est cool. La petite Féline qui nous a rejoint, trop bien. Ah, je vais mettre un petit lampadaire ici. Trop bien. Je mets un peu de la lumière. Comment ça va toi? Vas-y, prends tes aises. Mets-toi à l'aise. Mettre un petit lampadaire dans la ruelle sombre, j'aime bien. Oh mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui a été décalé. Ça, on voit des gens sauter de partout, courir partout. Ça n'a aucun sens. Petit lampadaire genre ici là. Ça me semble super ici. J'ai dit ici. J'utiliserai plein de ressources pour pas grand chose hein, par contre. Non mais c'est bien le lampadaire. Bon en vrai, proche des habitations, c'est peut-être pas si utile. Mais du coup ça, ça a été décalé ça. Attendez, ça va pas ça. Qui c'est qui a fait n'importe quoi? N'importe quoi. Ah non, j'ai fait n'importe quoi moi. Ok, ok. Encore une fois, je fais pas gaffe à la porte. Elle est où la porte? C'est là la porte, non? Oui, tout simplement en fait. Ça aussi, du coup, je vais mettre ailleurs. Mettre genre je sais pas en vrai je sais pas. Pff, non. Je me fais exprès. J'ai mis n'importe où. Et ça va, j'apprends. Oui, il y a des mobs qui nous attaquent, ouais. On a des hors-la-loi et puis il y avait aussi des sangliers pour le moment de ce qu'on a croisé. Mais les sangliers nous donnent de la bouffe. Et les hors-la-loi, quand on les tue, ça dépend. Mais genre, typiquement, ils nous donnent de la thune. Et il faut payer nos employés. Du coup, bah la thune, c'est bien. Entrepôt fini. Ah, nice. Bah, c'est vrai que c'est déjà super encourageant, la démo, ouais. Ok, c'est cool. Parce que des fois ça dit que... Besoin de réparation. Des fois ça dit qu'on manque de trucs. Alors je me dis, bon, peut-être que le dépôt ça nous aiderait à stocker plus. Ah oui, et puis les limites aussi. Parce que regardez, il y a vraiment un aspect gestion un peu poussé. Recherche, je vais attendre un petit peu. Pour plafond. Ressources. Où je peux mettre des limites assez élevées. Voilà, les compos, je vais mettre des limites assez élevées parce que sinon, bah on récolte pas assez. Hop, hop. Que franchement, en vrai, autant récolter un max, quoi. Yeah. il maîtrise déjà bien l'aspect. Vous pouvez faire que de... une tour d'humain. Qu'est-ce que... De quoi une tour d'humain? Comment tu fais? Oh, mais ça te fait faire un petit tour sur toi-même. Ah oui! Ah, c'est rigolo! Mais c'est trop mignon, des petits détails comme ça, là. Quand tu tournes sur toi-même, ça te fait faire un... C'est rigolo. Juste parce que tu tournes sur toi-même. Non, on n'est pas en audio, mais là pour le moment, tout le monde, tous ceux qui ont envie de me rejoindre peuvent rejoindre. Donc bon, je fais pas audio avec tout le monde, surtout qu'on est en OP. Même si là, bah, ça c'est terminé. Mais je continue le jeu pour le moment. Trop mignon les petits ronds, mais oui. J'aime bien ça. Par contre, est-ce qu'il faut les arroser? On n'a pas d'outils pour ça, non. On n'a pas d'arrosoir. Bouclier. Ah, on peut avoir un bouclier, attends. Si je change... Ah oui, voilà, ok. Ok. On peut avoir un petit boubou. Qui est très joli.
Are you dancing? C'est les PMJ qui s'occupent de tout. Oui, c'est vrai. On peut faire certains trucs, mais c'est surtout les PNJ, ouais. C'est, bah, c'est les employés slash habitants. Oh, on n'a pas de bois, on en a 14. On n'a plus de bois du tout. Faut peut-être mettre... Ah, mais est-ce qu'il y a vraiment un employé qui s'occupe de ça? Ouah! Classe! Ah oui, d'accord, quand tu tapes en même temps... Ok, bah je vais prendre un peu de bois. On arrête quand? Un jour et 14h. Coup de bouclier avec eux. Ah oui, cool! Ah ouais! Ah, et puis c'est marrant, on débloque des armes. Parce qu'on peut faire un poste de halbardier aussi pour qu'il nous aide à défendre le village, donc ce serait bien, mais il nous faut du bois. Et on peut faire de la recherche, on va peut-être en faire. Hein. Juste que je sais pas trop, attendez, je regarde, je sais pas trop en quoi. On peut faire le fraisage. Ça s'appelle fraisage. Ou de l'excavation. Oh, des métaux. Ah, ça, on peut déjà les faire. Les constructions, on va peut-être attendre d'avoir 300 pour faire des constructions. Ça nous débloque vraiment plein de trucs. On va attendre... Ah bah non, mais non. Ah oui, c'est ça, on va attendre 300. On est à 216. Faut qu'on fasse mine forge. Ah. Attends. Oui, mais il faut qu'on les construise. On a même un four aussi à faire. Il nous faut du matos. Tu portes Gaël, puis Féline te porte. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas testé ça. Une tour d'humain, ouais, j'avoue. Attends, si je te porte. Vas-y, Ken, porte-nous. Ah, oh, d'accord, on peut totalement faire une tour d'humain. Merci pour... Oh, j'aime trop. Meilleur jeu, j'ai jamais... je crois pas avoir souvent vu ça, en tout cas. Le fait que le jeu ne te limite pas comme ça. Oh, c'est trop marrant. Bon, elle a des synchros, c'est normal. Hein. Ça dit, ça peut être pratique aussi pour envoyer plein de gens loin, genre pour faire gagner du temps, quoi. Vu qu'on peut s'envoyer très loin. Comme ça, on peut aller farm très loin, en fait. Oui, c'est ça. Pour accéder à certains... Oh, chut. Ah, faire la mine, je sais pas, bah je pense qu'il faut quand même que ce soit pas loin du village pour que les employés y fassent des allers-retours rapidement. Mais un peu en bas du village, ça semble bien, non? Genre là en bas par exemple. Comme ça, ils sont pas trop loin. Dans cette zone-là, la mine, ça semble bien, non? Moi je dis, ouais, si tu peux peut-être faire par là, c'est peut-être bien. Non pas trop loin, je pense vraiment, vu qu'il y a des employés, ça va être chiant. Ça a changé Sonic, c'est complètement ça. Pour moi, c'est le gameplay de Sonic. Mais dans un monde médiéval et où tu construis des villages. Le mélange est vraiment... Vraiment what the fuck? Voilà. Chaque fois, je me cogne. Après, je pense que si on fait des constructions, on peut faire des escaliers. Et si on fait des escaliers, je pense qu'on n'a pas besoin de se faire des sauts et tout comme ça et on se cogne pas. Ça me semblerait logique. Arracher un arbre juste en fonçant dedans. C'est stylé. On a combien en bois? 148, ça va, on a un peu monté. Parce qu'il faudrait qu'on fasse four et tout. Alors. J'y arrive à chaque fois, je cherche. Ah oui, voilà. La mine, Kion, il s'en occupe. Je te lasse. Ah, ce serait peut-être bien qu'on fasse un poste d'albardier, mais on n'a pas assez de petits écrous et de vis. Et je pense que ça, c'est dans les campements. Faudrait aller peut-être casser la tronche à un campement.
Et le four à charbon. Et ça, on en a pas, je crois. Non, on en a pas. Je vais mettre ici le four à charbon parce que tout bêtement, je sais pas trop où le mettre sinon. Je me dis que là, il gêne pas trop. Et du coup, je pense qu'il faudra faire une autre maison. Parce que du coup, on va avoir de plus en plus d'employés. Donc, je vais continuer à aller chercher du wab. Ouais, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais comme dans plein de jeux, le bois et les ressources de base. Il n'a pas trop besoin de pierre jusqu'à présent, mais il y a de la pierre là-bas. On met sur de la pierre, mais j'y arrive pas. Ah, c'est ça, t'as raison. Faut mettre là, genre. Mais t'as peut-être pas, on a peut-être pas assez de ressources. Hein. Mais du coup, faudra faire un petit bout de village ici aussi avec des maisons alors. Je vais voir si. Voilà, si je peux, si j'arrive à faire la mine, je tente. Ok. Et ben ici, on va peut-être construire une petite maison. Je me dis. Enfin, je sais pas à quel point il faut qu'ils aillent dans leur maison. J'ai pas, je m'en rends pas compte. Je pense qu'il vient au village. Ouais. Bah si je mets une maison à côté, ça peut peut-être le faire. On va tester. Petite maison de ville là, je la mets juste ici. Et puis, on voit si ça suffit. Hein. Voilà, c'est-à-dire une petite maison pour les employés de la mine. Mais voilà, c'est ce que je me dis, pour moi c'est hyper attaquable ici quoi. C'est vraiment l'avant-poste. Taverne à côté de la mine surtout. Ouais bah c'est bon. Hein. Elle est pas loin le village. Ah, elle va à la mine. On va voir si la maison elle sert à quelque chose. Hein. Ça manque d'un petit arc aussi, il va falloir un arc. Oh, sympa. Alors, je vais regarder pour les recherches. On peut faire la construction, on a déjà les métaux, poudre à canon, fraisage, donc je vais faire la construction. Et on fera l'excavation après. Ouvrir, voilà. Comme ça, si on peut faire des chemins, peut-être des escaliers. Ce serait peut-être, voilà. Plutôt que les personnages fassent des sauts à chaque fois. Ah ouais, ils sont obligés. Elle est obligée d'aller tellement loin. La pauvre. On va penser à défoncer des souches pour les arbres. Ah ! Les souches, ça sert à ça. Mais oui, c'est logique. On peut pas les... Mais oui, d'accord. Bah oui, c'est logique. Infrastructure, chemin, oui, trottoir. Dégager la terre, voilà, là on peut aplanir. Escalier du château. Escalier du château plus profond, raid. On peut choisir la profondeur d'escalier. Genre par exemple, on peut faire un petit escalier comme ça. Et après un petit comme ça. Je vais arriver. Ah non, je peux pas. Etc, etc, quoi. Bon, je voudrais le mettre plus bas. Là, il veut pas. J'arrive pas à le mettre à la bonne hauteur. Ah, petite variante sympa. Tu peux vraiment faire... Oh oui, d'accord, c'est cool. Voilà. Et là, comme ça, les gens pourront monter rapidement. Mais pour le moment, bah, j'ai pas de pierre. Enfin, j'ai pas de briques. Oh, je suis toute lente. Pourquoi je suis toute lente? Parce que j'ai fait V. Non. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais du coup, je suis toute lente. Est-ce que... C'est B. Voilà, si vous appuyez sur B, vous marchez. Je viens d'y penser justement. Eh ben, n'hésite pas. Si tu veux faire de la constru, Féline. Je fais usine de briques. Bravo. Elle est où? J'ai mis mon village à un endroit pourri en fait. Je le réalise là.
Quand on peut décentraliser, quoi. Parce que limite, en vrai, je mets tout là-bas, là. Pas mieux, là, si on déplaçait tout là-bas, en vrai? Je pense que si, hein. Je vais tout déplacer. Je déplace tout, je déplace tout. Before walk. C'était mignon ici, mais en fait, c'est trop chiant. Vas-y, je déplace. Tac. C'est qui part. Déplacer tout en bas, là. Bon courage, Billy, pour ton montage. Flemme. Fais petit à petit. Des petites tasks. Avance un petit peu, un petit peu. Voilà. Je vais la mettre, genre... ici. Voilà, dos au mur. Hop là. Déplace le village pour que tous les gens aillent... voilà, ce soit plus mieux. Ah, mais c'est les plantations que ça va... qui vont être chiantes. Mais une fois ramassées, au pire, c'est pas grave. Il y en a une ici aussi. Il y en a une là-bas aussi. What the fuck? Mais qui c'est qui fait des maisons comme ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... c'est quoi ce tout petit recoin là? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Déplacement pour avoir des rues? Ouais non mais là... enfin je sais pas si c'est très réaliste quoi, mais ok ok. Ok ok ok. Pas des super choix, ouais, c'est pour ça que je nous mets en bas. Non, non, non. C'est pour ça que je nous mets en bas. Là, regardez, c'est un grand espace, on a encore des arbres autour et tout. Voilà. Mais oui, d'accord, je vois le genre. Salut, Logdu. Hop là, là, par exemple, on fait une petite maison comme ça. Voilà. On la réparer. Je peux pas réparer plus? Bon, on va dire que c'est bien déjà. Mince, je me suis cogné. Ouais, c'est juste les plantations qui vont être chiantes. Et les arbres, par contre, je les vois pas pousser. Je sais pas s'il y a un truc à faire. Si vous voulez déplacer et mettre en bas, n'hésitez pas, hein. C'est vrai que le fait de se mettre en hauteur, je trouvais ça joli, mais j'avais pas du tout pensé au côté pratique, quoi. Je l'avoue. Je confesse. C'est quoi le truc d'apprenti, en fait? Je sais même pas. Peut-être mettre un petit sangri quest maintenant qu'on n'est plus en sponsor là tout de suite, vu que ça fait largement assez de temps. Si je dois... ah oui, je vais peut-être quand même faire une fin. Oh merci pour les escaliers, j'avais pas vu. Une fin de VOD. Je ferme les ressources, ça marche. Salut Huxley. Tac, fin de la VOD, merci beaucoup. Voilà. Je reste... en fait non, c'est même pas vraiment ça. C'est la fin de la VOD Twitch. Comme ça je vais la couper et l'envoyer. Mais je suis toujours en VOD normal. Voilà. Pour que sur YouTube ils aient tout. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense qu'ils veulent le lien de la VOD Twitch, quoi. Donc voilà, je couperai ça. Cubes sont gâtés, c'est ça. Mais comme ça, pour Twitch, bah, vous avez un petit peu l'intro. Du coup, des bisous. Et du coup, n'oubliez pas, Overthrown. La démo est dispo gratuite. Si vous êtes intéressé, bah, go regarder. Je vais mettre les habitations peut-être un peu là-bas aussi. Ici, je comptais mettre un peu la nourriture et tout. Donc là, je vais mettre un truc à côté, ça me semble bien. Et on mettrait un petit escalier. Voilà, et ce sera super. Comme ça, limite, bah, l'escalier qui a été mis là-haut, il va peut-être rester pour les plantations, je sais pas. Je vais arriver. C'est la meilleure. Merci. Ça, on le savait. Et puis, bon. Voilà. Alors attendez, bon les escaliers, c'est vrai que les escaliers que j'ai mis ils sont super pourris puisque je suis pas très douée. Mais au moins je pense qu'on peut continuer à courir dessus.
Je sais pas où la démo s'arrête, non. Je pense que c'est plus au niveau du contenu qu'elle est limitée. Et après, au niveau du... Dans le temps, je sais qu'elle est dispo grâce au... à partir du Steam Next Fest. Est-ce qu'elle sera dispo après? J'avoue que j'ai pas l'info. Ça m'étonnerait pas, pour avoir vu ce genre de jeu. Après deuxième saison... Ah bah merci beaucoup! Merci Christabelle! D'accord, après deuxième saison... Ok. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit dispo longtemps. Bah merci beaucoup, c'est vrai que j'avais pas eu beaucoup d'infos sur le jeu. Mais je me suis dit, bah étant une démo, je découvrirai sur place, pas grave. Hein. Mettez où vous voulez. Hein. Merci beaucoup pour l'info. Hop là, on va mettre ici. C'est bien ici. Ouais, on déménage hein, parce que vraiment c'était... J'ai appris de mes erreurs. Ok. C'est vrai, c'était pas dingue. Voilà, là je mets un petit renfoncement ici, comme ça c'est un peu réaliste. Et là on mettra une autre maison à côté pour que ce soit réaliste. Parce qu'on est trop réaliste. Oui, c'est vrai, Kat. Mais comme je dis, pour le moment, le multi, il est accessible très facilement. Et du coup, bah, GG, parce que pour des démos, c'est assez rare. J'ai vu beaucoup de jeux qui avaient un multi de prévu, mais qui, pour la démo, bah, n'avaient pas pu l'ancrer, n'avaient pas les serveurs et tout. Donc je trouve ça trop bien. Voilà, si je mets comme ça. Comme ça, c'est un peu bien. Ouais, c'est un peu cool, c'est un peu cool. Ça fait un petit peu de vivant. Et puis là, je mettrai un truc ici, comme ça ici, ça fera un refoncement aussi. Ouais, j'aime bien. C'est vrai qu'on peut rendre quand même le truc un peu réaliste. Oui, je pense qu'il y a de la déco, ouais. Sachant qu'en plus, on peut prendre des objets qu'on croise pour la déco, donc... Donc oui, il faut laisser des petits coins, t'as raison. Je vais prendre la petite boutique de tartes. Je vais mettre la petite boutique de tartes là-bas. J'adore parce qu'on se voit au loin en train de courir. Peut-être aussi qu'on pourra personnaliser les boutiques et tout, les trucs là. C'est possible ça. Alors. Mettre genre comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Ah, j'ai mal mis. Oh, je l'ai très mal mis. Ça m'énerve. Ouh là là. Ok. Activer la grille. En fait, vu que je l'ai dans les mains, je vois pas en même temps comment je le pose. Ah là, c'est bien. On va peut-être le mettre à la place de ça, en fait. Ouais. Oh, sinon, je fais une ruelle comme ça, genre de face à face. Oh, ça peut être marrant, ça. Ah, c'est pas du tout de face à face, je me suis trompée. Mais comment je me trompe à ce point? C'est vrai ça, elle est là la porte, c'est facile pourtant. La porte c'est du rouge. C'est pas compliqué hein, c'est moi qui galère juste. Donc, voilà, c'est hyper simple. Ah, il veut construire, ah tu construis un chemin. Incroyable. Incroyable. Si je mets ça là, attends. Je me suis trompée, je l'ai posé. Ah, tu peux mettre en bien, n'empêche, du coup. T'es pas obligé de poser sur la grille. Même, c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique, mais t'es pas obligé. Si je mets comme ça. Oh, pas ouf. Je vais. T'inquiète pas, je vais bouger en fait, Kyuan, j'aime pas. Je vais bouger. Je vais faire un plus grand espace pour la tarte. J'aime bien en fait ce petit magasin, je le trouve mignon. Je veux bien le mettre en avant. Ouais, voilà, petit espace à tarte. C'est bien. Merci, Lixa. Tiens. Hein. Ouais, exclamation au jeu, hein, n'oubliez pas.
Si vous êtes que du jeu, et ben, si vous passez par ce lien, ils se diront... Tiens, des gens ont cliqué sur le jeu parce qu'ils étaient curieux grâce à ce stream. Bravo. Et pendant qu'à chaque fois Wizbot il dit... Wizbot il pète un plomb en disant bah oui, non mais c'est bien le jeu, oui oui, tout à fait. Vous pouvez arrêter de me poser la question? Parce que c'est la même commande et que j'avais pas réalisé. C'est pas grave, on apprend, on apprend. Alors, on met de dos peut-être? Non, sur le côté. On peut construire en même temps aussi. Hein. Ça c'est rare. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû mettre de côté, finalement. Ok. Oh, je vais voir. Je vais tester. Yeah. Bien, on essaye tous de faire un village un peu réaliste. C'est cool. Nos ressources, ça va? Ouais, ça va. Bah, on construit beaucoup, forcément, ça descend, quoi. Ça descend, mais que veux-tu? Ah, mais si je le mets comme ça... Ah oui, je peux pas vraiment, en fait. Bah, je vais mettre dos à dos. Comme ça, genre. Voilà. Je suis bien, là. Je suis très bien, là. Eh, cette petite ruelle, regardez ça, là. Oh, j'aime bien. Il y a vraiment... Il y a un truc. Si, ça marche, hein. Juste peut-être ce truc-là que j'ai mal mis. Mais ça fait un peu cabane. Un peu à l'arrache. Enfin, une deuxième usine de pierre, ça consomme de fou. Ouais. Je sais pas du tout hémoglobine. Ça, franchement, vu que j'ai jamais fait ça, je n'en sais rien de... Je sais pas comment ça se passe, que vous cliquiez 20 fois sur le lien ou qu'une seule fois. J'imagine que c'est tracé, donc ils doivent savoir que c'est le même PC, quoi. J'imagine. M'étonnerait que ce soit si simple. Charme le bois et la pierre à mort, t'inquiète que ça va. Ah oui, c'est juste la production peut-être qu'il faut. Ah mais non, mais ça je vais le laisser pour le moment. Oh, la mairie elle est un peu cassée. Alors que je la répare. On met où les champs, les chiens? Peut-être en allant vers là-bas? On va les déplacer aussi. Voilà, je vais mettre un peu ici. Non, ici je vais mettre le compost. J'ai mis ça là pour le moment parce que je ne sais pas, mais c'est parce que j'essaie de tout déplacer. Ah non, j'aime bien ce petit village là, il est trop pipou. Donc tu peux vraiment faire un... Des petites ruelles réalistes. Ça c'est le four, on va le faire après. Je vais faire le composteur. Et je vais aller tout déplacer et puis voilà. Enfin, replanter des trucs surtout. Ah, le stockage peut-être d'abord, il est plus... Ouais. En composteur. Voilà, pour le stockage d'abord. L'entrepôt, il est vraiment balèze. Ne vous inquiétez pas, je vais passer. Voilà, genre ici, là, ça me semble bien. Nickel. Attends, je pense qu'il faut que je plante. Du coup, que je refasse des plantations. Du coup, pelle. Et on va mettre... Ah, mais pelle, c'est la meilleure. Mais on n'avait pas eu de la... Sans le savoir. Trop bien. Attendez, merci. Attendez, si j'utilise la pelle là-dessus... De fou. Ok, truc de fou. Ok, truc de fou. Bon, alors, à ne pas faire n'importe où. Je vais regretter sinon. Et j'apprends, là, je découvre. Non, j'ai planté des graines, je voulais pas. Dans une heure. Dans une heure, on va se faire attaquer. Bah, c'est que t'as des raids, Titrouan. Et salut à toi. Et à dimanche monde. Au travail, mais j'écoute le stream, ça marche. La musique, elle devient badante. Hein. Attendez, je suis pas prête. Dans moins d'une heure. Vite, je fais des plantations. Non, décoration. J'en fais un petit pour le moment parce que voilà, je ne sais pas quels sont nos besoins.
Il me fait attaquer. Ah non, c'est Gail. Il m'a fait trop peur. Voilà, je suis plantée. Ah, j'ai plus de graines. Si. Ah, mais ici, c'est pas de la terre agricole. Hein, c'est quoi alors? Bon, je vais laisser comme ça pour le moment. On n'a pas fait des halbardiers, mais en même temps... Ah, ça y est, ça commence. Ok. Non. Je plante. Ok, je suis prête. Ils sont où? J'ai mon épée. Attends, j'ai pas pris épée bouclier. Je prends épée bouclier. Il y a un blessé. Il y a un blessé. Ils sont où? Ils sont où? On a eu un blessé. Est-ce que c'est là-bas? Ah oui, je vois le point rouge là-bas. Je les vois. Ils sont là-bas. Ils sont 17. C'est beaucoup. Non, j'ai mis mon de construction, je voulais pas du tout. Non, j'ai fait le mode construction encore, mais parce que je veux mettre mon bouclier, je confonds les touches. Ah non, c'est Kyuan. Céline. Ok. Ils sont où? Les points rouges, on les voit encore. Plus on les tape loin de notre village, plus il y a de moins de chances qu'ils tuent nos villageois. Ah, le téléport. J'y arrive. J'ai entendu encore un coup de feu. Ma vie, j'avais pas vu ma vie. C'est bon. Faites gaffe à vos vies, j'avais pas vu ma vie. Plus que 5, mais on les voit pas. Je vais revenir un peu près du village au cas où il y en a un autre, d'autres qui attaquent. On avait un blessé quand même. Oh, on a un blessé. Mais où est-ce que c'était du coup? Comment on a un blessé? Je vois pas de point. Ah si, là-bas! Si! Vers le village! Ou je sais pas où. J'ai raté. Avec les bras en l'air en criant là. Il en manque un. Il est là-haut, je pense. Ah non, il est là. Oh, je l'ai tué en lui fonçant dessus. Oh, c'est fini. D'accord, c'était ça. GG. Bon, la fin est un peu brutale. J'ai gagné. Mais on a réussi. Bon voilà, c'est là d'où... C'était là où s'arrêtait la démo, on savait pas trop. Le jeu sera bientôt disponible en accès anticipé avec beaucoup plus de contenu. Nous annonçons sa date de sortie prochainement. Pour exclamation jeu, si vous êtes intéressé, si vous voulez le mettre dans votre liste de souhaits. Nous sommes très actifs et ouverts à notre communauté sur Discord et partageons fréquemment les teasers sur notre contenu à venir là-bas avant n'importe où ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des commentaires ou des idées, ou si vous souhaitez participer au prochain aperçu de test pour gagner des jolis petits prix. Ouais, why not en vrai? Why not? Eh ben intéressant, franchement. Vu les notes cam, moi et Gail d'habitude, Gail et moi, faut dire plutôt, être égocentrique là, et ben, ça peut être notre cam, ouais. Oui, t'as vu. Des gros bisous de la VOD, cette fois on l'arrête vraiment. C'était Overthrown, et il est dispo. La démo est pour le moment, on est le 17 octobre, pour le moment la démo est dispo. Donc voilà, bye bye.